Salut les gars, retour sur Shadow Empire, sur le tour 5 de la partie d'initiation que je joue avec le camarade Eggdrop. Donc c'est une partie vraiment, on n'est que deux joueurs, humains en tout cas, il y a des IA, mais nous on est les deux seuls humains, et on essaye de survivre dans un monde très hostile, et comme on est tous les deux débutants, et c'est chaud, 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 en tout cas pour moi. Mais comme je discute avec l'ami Eggdrop sur le Discord, parce qu'on échange, hein, évidemment, c'est aussi ça la beauté du PVM, c'est que tu n'es pas tout seul face à une machine, tu joues avec des gens, donc tu peux discuter de la partie, etc. Et apparemment, lui aussi, donc on marche tous les deux sur des œufs, là. Le but étant de ne pas se faire, de pas se faire massacrer par l'IA rapidement. Donc on va essayer. Donc la dernière fois, j'avais lancé des constructions. Alors j'espère que j'ai pas eu la main un peu lourde et que j'ai pas complètement planté mon économie. Donc allez, c'est parti, on va aller voir ça. Ah, des radioactivités. Alors ça, c'est pas bon, je pense, hein. Alors on est toujours dans Time of Confidence avec les words, gain 0 words. Je sais toujours pas trop quel bénéfice j'ai à avoir des words. Si j'avais regardé, mais je me souviens déjà plus. Gain Technology Fascination, Accomplish and Voice. Donc on a gagné deux feats. Donc c'est quoi? C'est Technology Fascination et Accomplished en Voice. On va aller voir ça. Et donc on a des nouveaux stratagèmes, Private Investment, Shadow Diplomate. Allez, alors là j'ai un peu peur d'ouvrir ma petite boîte. Oh putain. Ah oui putain, oui, on est mal. Enfin on est mal. On n'a pas assez de points d'industrie, ça c'était évident. Oh putain, alors qu'est-ce que j'ai foutu là? Ouf. Alors on a du métal, mais tu vois, on perd 339. Alors on va aller voir les constructions. Donc ah, je crois qu'on avait fait un... Metal Mine. Ouais, on avait fait une mine. Alors 1,4 tours il reste. Donc c'est pas pour ce tour-ci. Mais oui, on avait fait ça pour avoir beaucoup de métal. Parce que quand on aura beaucoup de métal, on ne devrait plus avoir de problème. Et on avait fait... Alors là, l'agridome, on va le mettre en pause parce que... Il faut le ralentir, lui. Hein. Parce que là, on a les deux en concurrence. Et ça nous bouffe tout, quoi. Ah ouais, j'ai eu la main trop lourde. Attention, mais attention, il faut que je prenne que le truc. Donc là, on produit de l'eau. Donc ça, on en a plein, on est blindé. De la thune, on en a. Donc on va acheter ce qui nous manque. Vu qu'on a de l'argent, on va les acheter. Par contre, les points industriels, on ne peut pas les acheter. Mais l'énergie, on en a. Du métal, on en a encore, mais tu vois, on a dépensé 339. Par contre, c'est les points industriels qu'on a pas assez. Donc, j'ai pas lancé l'industrie niveau 2. Ah oui, j'ai fait le biofuel là. Ah putain, mais le biofuel. Putain, j'en ai lancé trop des constructions. J'ai lancé trop de constructions là. J'ai fait le biofuel. Construction finished. Ah, ça c'est du private, ça c'est private investment. Donc ils produisent rien pour nous. Bah, un peu ce tour-ci, ils vont nous produire quelque chose, mais. Light Industry 2, ils nous donnent 78, mais ça c'est du private asset. Et là, Under Construction, c'est pareil, c'est du private. Donc les private, on les veut pas, on va mettre que les publics. Donc, et on va mettre sur tous les ex, partout, voilà. Donc, en public, on a le biofuel. Et je ne sais plus où c'était le biofuel. Attends, on va recliquer dessus. C'est à Nuke City, alors, le biofuel. Attends, on va se mettre en mode inspect. Comme ça, on ne sera pas embêté par la flèche. Le biofuel, c'est à Nuke City.
Ah ouais, mais c'est du biofuel. Bah lui, il faut le ralentir, hein. Set maximum construction speed of asset to 25%. C'est-à-dire qu'on va le ralentir. Le biofuel, on en a. Ah putain, mais on n'a plus de fuel là. Mais est-ce qu'on en a besoin du fuel? On va en acheter un petit peu sur le. On va en acheter un petit peu. Attends, on va aller faire nos courses déjà. Trade. Alors on va aller faire des achats. Donc du métal. On a 1000 crédits. Donc du métal, bon, on prend le maximum. Hein. 64, ça seulement 64, mais bon, on les prend quand même. Donc je vais faire, parce que ça se met pas à jour en direct, donc il faut revenir là. Bye. Des machines, on en a. Des food, on en a, de la food. On va voir si on peut vendre l'eau. Water. Is currently at such low price, donc non. Alors ça, je l'ai déjà commenté, hein. C'est tellement pas cher que personne ne veut l'acheter. Non, c'est tellement pas cher que personne ne veut le vendre. Parce que c'est le principe de base de l'économie. Quand les prix sont bas, tu achètes et tu vends quand c'est cher. Voilà, donc là, le fait de dire c'est tellement pas cher que personne ne veut d'intérêt à l'acheter, c'est une absurdité, ça n'a aucun sens. Je l'avais dit une fois, hein, mais bon, si, tu sais, les gens, quand ils ont un truc en tête, ils veulent pas. Bon. Ils ont peut-être leur logique à eux, mais ça, cette phrase, la phrase en elle-même ne veut rien dire. Tu vois, il faut dire, il aurait dû fallu mettre Water is currently at such a low price that there is no market. Voilà, il n'y a pas de marché, par exemple. Personne ne vend, ou que dire que personne, traders, personne ne veut vendre. Voilà. Et pas que moi, quand c'est gratuit, j'achète tout ce que. Plus le prix est bas, plus j'achète. Tu vois? Parce que moi, je suis un acteur économique rationnel. Donc, moins c'est cher, plus j'en achète. Tu vois? Et je pense que toi aussi. Bon, alors attention. On peut vendre quoi? Donc, des métaux, surtout pas. Du fuel, non. Des foods, surtout pas. Des métaux rares. Ouais, on n'en a pas besoin, des métaux rares, pour l'instant. Mais bon, on n'a pas besoin d'argent non plus. Donc, c'est pas. Grave, les machines, on pourrait les vendre. On a une réserve de fric assez importante là, mais on va les garder ces machines. Donc on n'a rien. Par contre, on va acheter. Est-ce qu'on peut acheter? On va acheter quand même. Tu vois, on dépense 100 food. On va quand même acheter des food. Pour ouais, tu vois, en plus, c'est pas cher quoi. Tu vois. 147 food pour 100 sans crédit. Donc on y va. 255 food pour 180 crédits. 180 crédits, c'est un peu trop quand même. On va essayer de dépenser, on va essayer d'acheter 130 foot, 140 foot. C'est ce qu'on dépense. C'est ce qu'on a consommé. 140, allez. 140 foot pour aller pour 100 crédits. Voilà. Hop là. Ça, c'est bon. Et on va acheter. Oh putain, on peut pas acheter de métal. On peut pas acheter de métal. Alors, il faut acheter du fuel. Parce qu'on n'en a plus du fuel. Le fuel, on a dépensé 40 et on est à zéro. Donc le fuel, ben, on peut en acheter que 23. Hein. Il n'y a pas grand-chose sur le marché là. Hein. Par contre, du fuel, tu vois, si on veut en vendre, on peut. Ok. Alors, on a 800 de crédit, on a 25 fuel, mais c'est pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a dépensé du fuel? In, c'est quoi in? Attention. 41 could be produced. 40 was actually produced by the zone. C'est le recycling qui a produit 40. Là, par contre, la consommation. Ah, l'airbase, elle a consommé 20. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va aller fermer des. Pas fermer, mais attends. Le fuel. Là. Truck station, alors ça on peut pas la fermer, mais la base aérienne on peut la fermer ça. La base aérienne, on va pas la fermer complètement, mais on va la mettre en chômage technique. La base aérienne. Où est-ce qu'on la chope cette base aérienne? Est-ce que vous la voyez vous? Airbase. Alors, Mothball, je crois que c'est ça, quoi. Elle consomme plus rien.
Close, tu la fermes. Close down. Mais Moss Ball, tu la mets en chômage technique, je crois. Je vais vérifier. Ouais, bah c'est bien ça. Hein. C'est la foutre en arrêt technique, quoi. On coupe, on la débranche, quoi. On la débranche. On la détruit pas, mais on la débranche. C'est bizarre parce que je connaissais pas cette expression Moss Ball en anglais. Mais bon. C'est des balles de mousse, hein. C'est donc. Ça veut pas. Mais bon. Apparemment, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Donc, elle, on peut l'arrêter. Il fera s'en souvenir, par contre. Hein. Airbase. Tu vois, parce qu'elle consomme 20 pétrole. Donc, et elle consomme des trucs. Qu'est-ce qu'on peut encore. Alors, qu'est-ce qu'on produit de trop? La flotte, on en produit beaucoup. Donc, la flotte, on va aller la. On va aller, pareil, lui couper le sifflet un petit peu. On va voir ce que ça consomme déjà. Alors, elle est où cette flotte? Faut que je prenne tous les ex là. Alors la flotte, truck station et commande industrie recycling, metal mine tout en construction. Voilà, c'est ça. On produit 997 water, mais on bouffe de l'énergie, mais l'énergie on en a assez, donc c'est pas un problème. Donc c'est pas la peine de la fermer. Et là, pourquoi on a dépensé 339 là? Qu'est-ce qu'on a dépensé 339? Ouais, c'est des métaux. Ouais, bah c'est simple. Hein. Là, 80. Mais ce qui nous manque, c'est les points industriels. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. C'est ça qui nous tue, quoi. Alors, ouf. Donc il faut finir la metal mine tout, ça c'est important. Ah là je vois jaune, c'est pas bon. On n'a pas assez de workers. Ouais, donc tu vois là si on peut la fermer parce que là il utilise, j'avais dit qu'il n'utilisait rien, il utilise 1100 workers et les workers il nous manque là. Donc si on va la mettre Moss Ball pour un tour. Donc pendant un tour on va rien consommer. Puis de toute façon elle vaut tellement pas, on peut pas la vendre la flotte. Donc on la met en Moss Ball. Donc normalement, elle ne les consomme plus, normalement. Ou alors à 25% de production. Métal, on en a besoin. Bon, mais que les actifs publics, on les voit là, forcément. Donc lui il est Moss Ball, ok. La grille dôme. Ouais, mais ça, tu vois, là, ça c'était pas bon. Ça c'est pour produire de la bouffe. La grille dôme. Donc il faut pas le mettre tout de suite. Ça, j'aurais pas dû le faire tout de suite. Je veux pas faire annuler, mais je vais le mettre à 25%. Voilà. Construction de speed, tout 25%. Donc on va diviser par 4. Notamment les workers. Parce que là, tu vois, on a un shortage de workers. Et la gridome. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Non, mais la water, ouais, on la met à. Mais lui, là. Ah non, c'est lui, la gridome. 25%. La water, on l'a mis à Moss Ball. Lui. La grille d'eau, on le met à 25%, c'est-à-dire qu'on le ralentit d'un quart. Donc il va prendre je sais pas combien de tours, mais celui, il faut qu'il soit rapide. Donc en fait, on a fait que deux constructions. On a fait métal, machin. Et après, quand on aura tout le métal du monde qu'on veut, on fera la. On fait la. On fait l'industrie niveau 2. Et là, on fera l'industrie niveau 2. Tu vois, parce qu'il faut 750 métal par tour. Donc il n'y a pas le choix. Donc d'abord, on finit le métal, et quand on a tout le métal qu'il nous faut. On lancera l'industrie et après on aura tous les points de production industrielle. Là pour l'instant il faut c'est les misérables, hein. Il faut continuer, il faut serrer les fesses encore pendant quelques temps. Bon, donc je pense que c'est bon. Donc on va continuer. Ici on ne peut pas passer, il y a une frontière. Mais là on peut essayer d'aller grappiller un peu. Ils sont tous bien ravitaillés. Et tu vois, là, il y a des frontières. Hein. Donc là, on peut pas... Et là, il y a mon...
Alors, eux, on est copains avec eux, normalement. Normalement, eux, on est copains. Alors, l'autre fois, je disais, je cliquais, là, dans une des vidéos précédentes, je cliquais, je disais, ouais, on voit pas, on voit pas. Ben oui, parce qu'il faut sélectionner la zone, quoi. Voilà. J'étais sélectionné sur les unités. Comme il n'y avait pas d'unité, je n'avais pas sélectionné le bon onglet. Donc, vous avez certainement remarqué ça. Alors, donc, tu vois, on est en paix. On est à 54. Il faudrait augmenter. Eux, il faudrait se les mettre dans la poche. Parce que eux, est-ce qu'ils ont une ville? Eh non, ils n'ont pas de ville en plus. Putain, merde, on s'est fait copains avec les plus faibles. En supposant que s'il y a une ville, ils sont plus forts. Donc on est devenu copains avec ceux qu'on aurait dû exterminer, en fait. Ah, putain, c'est pas cool, ça. Bon, là, on va y aller comme ça. Il a bien son. Ouais, il est toujours à 100, donc c'est bon. Lui, le HQ, bon, bah. On va pas le mettre dans les montagnes quand même. Eux, on va les faire monter. On gagne du terrain comme ça, on gagne du territoire. Et le HQ, on va le mettre par là. Voilà. Je pense qu'ils sont tous à 100%. Ils vont tous être à 100%. Voilà, là on bouge pas, mais là ça sent pas bon. Par contre, c'est en cas de problème avec eux, on peut les faire intervenir rapidement. Alors si je veux passer. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai rien fait là. C'est qui ce camion là? Mobile Régiment? Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Ah putain! Oh, c'est pas possible, je me suis. Oh, j'ai cliqué, j'ai dégagé. Merde alors. Il était là. Oh putain, quelle erreur. Quelle erreur, c'est pas vrai. Je voulais pas le déplacer. Je l'avais sélectionné, j'ai cliqué au. Je voulais. Putain. Eh ouais, il était sélectionné, j'ai cliqué droit au lieu de cliquer gauche. Et putain, c'est pas vrai. Il fallait. Ce que je veux dire, c'est ça. Inspect, c'est la I si je veux. Passer en mode inspect justement pour pas faire des mouvements intempestifs comme ça. Non mais là je me suis mélangé entre clic droit et clic gauche quoi. Putain. Donc lui il se retrouve tout seul face à cette armée. Mais bon, de toute manière le camion il vaut que dalle. Il vaut rien en défense. Il a que dalle, tu vois. 15-30. Là, ça, y a rien. Ça vaut zéro, ça. Il ouais, y a lui, mais bon, c'est que dalle. Si tu compares avec une infanterie, 500 gardes. 91, ouais. C'est le machine gun, le cycling gun, 156, tu vois. Et eux, je veux pas trop les faire aventurer. Par contre, on pourrait aller par là, parce que là, regarde. Tu vois, là. Donc, je vais mettre en move, c'est M. Donc, il faut que j'apprenne, il faut que j'utilise les shortcuts, parce que ce sera plus facile. On va remonter par là avec lui, parce que là, je me demande ce qu'il y a, là. Ouais, c'est bon. Y avait rien. Donc on revient là et eux on va lui en faire amener un peu par là. Bon bah voilà. Donc là ça c'est bon ça. Donc là il n'y a rien de spécial à faire. Ok. Alors les décisions. Policy speech is due. Alors il faut faire un speech au Sénat. Donc on doit annoncer les grandes orientations politiques. Il faut arriver à 12% de. Ça c'est pas mal ça. Hein. Arriver à un pourcentage de 12% de la population militaire. En faire des militaires. Ce qui veut dire qu'on peut monter une grosse armée. Ou alors la relation moyenne avec les autres d'arriver à 44. Ça me paraît compliqué. C'est dommage parce que c'est commerce 6 et c'est ce que je veux faire, commerce. Your goal is the average quality of life of your zones to reach 11 points. Stay vague to not commit. Alors on a toujours la possibilité de rester vague et de pas. Et ça me coûte 5% de world score. Mais ça me plaît bien, augmenter l'armée, quoi. Combien de temps on a pour faire ça? On est à 9%, il faut monter à 12%. Donc c'est pas une grosse, grosse augmentation. Tour 20, avant le tour 20.
Oh putain, on est au tour 5. Bah, c'est nickel ça. Allez, on y va là-dessus. Ça me plaît ça. On est monté à Fist 7. Ok, ça me plaît ça. Alors, deuxième décision. Ah, la Monish Confédération, c'est lesquels ça? Banford, Malorion, là c'est eux là. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont pas de ville, hein, c'est ça? À part. Ah si, si, ils ont une ville là. La Monish Confédération. We will be friends or we'll be enemies. Donc non, on va pas faire la guerre, ça c'est sûr et certain. Donc on demande à être amis. Parce que il faudra vérifier. Par contre, ouais. Alors, par contre, s'il y en a qu'il faudra attaquer, bon, c'était pas lui, malheureusement, lui, il aurait été bien. Et lui, là, c'est qui ça? Ozonar, tu vois, parce que s'il est petit, il a pas de. Il est pas puissant et on pourrait se le faire, lui. Sinon, il y a lui, mais on n'a pas de frontière commune avec lui, là. Et lui, il était idéal parce qu'il n'a pas de ville. En supposant que les villes, en supposant que le fait qu'il n'ait pas de ville, ça, ce soit un régime moins puissant. Mais bon. Alors, donc non, c'était qui? C'était ça, la Monish Confédération. Confédération. Alors, ils sont la Monish Confédération, demande Resolution of Relation. Alors, on va vouloir être amis. Faut pas se commencer à faire la guerre, parce que si on fait la guerre, surtout maintenant qu'on a lancé un grand programme industriel, on va se faire massacrer. C'est pas le moment d'aller chercher la guerre, à mon avis. Il faut la jouer diplomate, il faut pas faire la guerre. Alors, we'll be friends. Donc ça coûte 1 PP, on les a. Mine plus 5, c'est bien, c'est notre orientation. Hein. Mine, on est à 50, à 59. Donc c'est bon, on y va comme ça. Displeased, ok. Relation avec la Monis, plus 20 points. Diplomatie clear, je sais pas ce que c'est, plus 1 point. Profile, mind, plus 5 points. Effectivement, normalement, on va passer à 64. Et voilà. Ok. Les stratagèmes. Ask for help, non. Propose peace, on le garde bien au chaud. Offer protection, c'est pas du tout le moment. Recrute junior, on pourrait le faire. Recrute un mercenaire. Alors, est-ce qu'on a intérêt à recruter maintenant ce junior leader? Peut-être oui, hein. Là c'est trop cher là. Ah, il a baissé le prix, il est à 40. Il me semble qu'il était à 50 et quelques avant, non? Archéologie est forte, mais là ça coûte 12. Ouais, on pourrait se le payer. Private investment, ça c'est pas mal ça. Augmente le nombre de private credits available. Mais non, mais de toute façon, on a juste les 24 points. Et Gladiateur, il sait deux fates et on les a pas. Donc on va pas les jouer. Leaders, Shadow Diplomate. Ça serait peut-être pas mal, ça. Mais je sais pas sur qui le jouer, le Shadow Diplomate. Foreign Affairs Council Directeur. Personal Guard. Non, mais on va pas jouer ces cartes pour l'instant, on va les garder. Spotter Drones, on fait pas. Donc ce qu'on va faire, on a qu'une à jouer. A priori, c'était recruter un leader là. A Nation. Recrute un junior. 6 points. Je vais, avant de faire ça, je vais quand même aller regarder mes leaders. Ouais, il en faut un, on va en prendre un. On n'en a pas en réserve, donc on va le prendre maintenant. Stratagème, donc allez, le junior, 6 points. Recrute junior. Bon, donc c'est bon, on a un nouveau leader. Alors, on va aller voir qui c'est. Alors, c'est qui ça? Et Reserve Pool Member, c'est lui. Z Robin Moon.
Z, Robin Moon. Ben c'est un tocard 18 ans, 18 ans et demi, niveau 1. C'est un tocard de première. Ah, putain. C'est vraiment le tocard. Mais bon, si on avait un poste qui se libérait et qu'on n'ait personne d'autre, il faudrait le mettre. Hein. Et on a chopé un tocard. Hein. Oh là là. Bon, et là, ça m'embête ce camion. Putain, d'avoir fait une telle erreur, quoi. Et tu vois, là, il y a un bottleneck, là. Mais bon, ils sont tous servis pour l'instant. Hein. Attention, pourquoi ils ont la barre? C'est quoi déjà cette barre, là? Oh, je sais plus ce que c'est que la barre. Pourquoi elle n'est pas pleine? Ah, c'est les remplacements. Ils n'ont pas leur remplacement? Est-ce que ça pourrait être ça? 500 sur 500. Produce replacement. Zero, zero are requested. Mais eux là. Ah, tu vois là, lui il en a besoin 500. Il a besoin de 300. Tu vois, il est pas à sa force là. Il a besoin de 300. Donc le first SHQ. Tu vois, il a rien là. Et oui, ça va nous coûter encore des points industriels, quoi. Mais on veut pas. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est. Je dois faire une erreur là, non? Ouais, parce qu'il faut que je sois. C'est pas lui qui va. Il faut aller sur le. Bah, si je suis là sur le SHQ là. Et je peux pas. Merde, je sais plus comment on fait là. Et pourtant, c'est un truc que j'avais vu. Alors, est-ce que c'est pas au niveau de l'unité qu'il faut le faire? Mais il n'y a peut-être pas assez de. On n'a peut-être pas ce qu'il faut, hein. You must move the slider, mais il n'y a pas de slider. Oh là là, putain, les mecs. On va se prendre une branlée, je crois. Parce que là, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Hein. Je vais regarder sur la doc. Donc tu vois, ils disent oui, les unités vont perdre des hommes à un moment donné, mais si tu as des troupes dans le SHQ, elles vont être automatiquement envoyées aux unités qui ont besoin des remplacements. Alors, mais par contre, il y a des settings spéciaux qui vont influencer la manière dont les remplacements sont effectués. Quality, alors mais c'est compliqué là. Raising, new formation, non. Formation type. Replacing troops. Non mais c'est pas ça là. Oh putain, je sais pas. C'est marrant parce que je l'avais fait ça un coup là, j'étais bon quoi.
Je sais même plus où c'était. Où est-ce que j'ai vu qu'il avait besoin de remplacement? Où est-ce que j'avais vu ça? 100, 200? Ah ben je sais même plus où j'ai vu ça tout à l'heure. Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? J'ai vu qu'il manquait. C'est pas possible ça. Ah, c'est dans Replacement, bien sûr. C'est là que j'avais cliqué. 500 sur 800. Le machine gun, c'est bon. 10, 300 morts, this type. Et je peux pas les produire. Je vois pas pourquoi. SHQ Providing Inventory is the first SHQ. Ah, donc il faut peut-être aller dans le premier SHQ. Ils sont... Ah, c'est peut-être là qu'ils sont les remplacements. Replacement troops, voilà, ça va être là. Non. Infanterie. Machine gun. Là, on en a là. 200 sur 0. Un... Units under SHQ are missing 0. Et il y en a 200 en réserve. Donc c'est ce qu'il a et ce qui est missing. Donc là, il en manque 500. Et pourquoi on peut pas? Deux métaux, on les a. Les points de... Ah mais non, on est à zéro. Voilà pourquoi. On peut rien produire parce qu'on est à zéro. Tout simplement. Oh putain. Eh oui, on a zéro point de truc. Et là, ça va pas s'arranger. Hein. Ben, ça va pas s'arranger, sauf qu'on va en récupérer, quoi. Voilà pourquoi on ne peut pas les produire, les remplacements. On en produit 194 et on en a utilisé 145, c'est un coup d'avant. Il produce by the zone. Donc Light Industry 2, c'est les privés, ça. Ils en ont produit 78. La Industrie 1 en a produit 55, ça c'est la nôtre. Service Tax 60. Donc on peut s'attendre à peu près au même nombre. Le tour suivant. On peut s'attendre au même nombre le tour suivant. SHQ Delivery. Consommation de la zone. Tu vois, on aurait dû en consommer 225 et on n'en avait que 144. Donc on a un shortage, on a une pénurie. Alors le Agricultural Dome, il en a consommé 13. Le biofuel, il en a consommé 13. Donc lui, on l'a coupé. Et le Metal Mining Facility en a consommé 125. Donc c'est lui. Donc en fait, on peut en récupérer, avec ce qu'on a fait, on va en récupérer 13 et 13 et peut-être 13 et 13. Et là, production 193. Pourquoi? Industrie 1, 56. Light Industrie 2, 78. Et les, ah oui, les taxes, 60. Donc ça fait ça, 56 et 78. Ça fait 120 moins 4, ça fait donc 116. 116 et 78, 116, 186, 186 et 8, 186, 6 et 8, ouais, ben voilà, ça fait à peu près 193 à l'arrondi près. 186 et 8, ça fait 194, exactement, 194. Ouais, ben écoute, on peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux, là. Bon. Ah ouais, mais c'est ça, en lançant trop de construction, j'ai complètement embouteillé le système, quoi. Et c'est sur les points de production. Et ouais, forcément. Donc, biofuel, on t'a bien mis au minimum.
La mine de métal, elle, il faut qu'il soit au maximum. Donc lui, il a bien 100%. Il avait un shortage là, mais là, en réduisant le agridome à 25%, normalement, on devrait être bon. On va quand même pas l'annuler, quoi. Mais je suis con, putain, on en avait de la foudre. Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'annuler? Regarde ça prend. Regarde le nombre de trucs que ça prend, quoi. Allez, on va l'annuler, quoi. Tant pis, ça nous a coûté. Je sais pas ce qu'on va récupérer. Est-ce qu'on récupère? Ouais, je pense qu'on récupère si on annule, hein. On a payé 3200 worker points, une machine, 64 métal et 32 industry points. Alors on le met à 25 ou on l'arrête? Ou on l'annule? Allez, on le laisse à 25. Ça va passer, ça va être bon. Ça va prendre quelques tours, mais ça va être bon. Là, il va falloir serrer les fesses pendant quelques tours, les gars. Alors, dashboard. On fait 19 pp. Les crédits. Ça, c'était au début du tour. On avait 1083. Prestige damage. Urgent issues. Négatif cash flow. Mais ça, c'est pas grave. Pegala domain is low. Oh là là, 19. Pegala Domaine. Alors c'est qui ces Pegala Domaine? Pegala Domaine, c'est qui ces salopards? C'est eux. On est à 19 quoi. Les autres, on est à combien? 54, ça c'est nos potes. 34, 43, 55, oh, c'est des potes. 40 et le 19. Attends, ça va pas là, 19. Et ils vont, alors, et c'est eux en plus là. Pégala domaine, c'est eux. Oh putain, est-ce qu'on peut les augmenter un peu? Et on va pas se lancer dans des plans comme ça, quoi. Pas leur offrir leur protection. Non, on peut rien faire. Hein. Ça, je le jouerais bien, celui-là, mais il n'y a pas les points. Là, il y a pas les. On n'a pas les points pour jouer les gladiateurs. Shadow diplomate. Lui, on pourrait le jouer, mais alors sur qui il faut le mettre? Je crois une affaire Conceal. Non, mais on va pas jouer ça, on va attendre un peu. Faut que je lise la doc en attendant. Eh oui, je sais. Je sais, les mecs. Donc, ouais, on a des relations catastrophiques avec eux, là. Hein. Pégala domaine. Et tu vois, le SHQ a ce problème. C'est bien le SHQ qui a des problèmes. Envoyer les remplacements aux unités. Il a envoyé zéro parce qu'il n'en a pas. Donc c'est bien nos problèmes. Bon. Bon, écoute, on va envoyer le tour comme ça. Ouais, eux, ils m'inquiètent là. Hein. À 19 de relation, on est à deux doigts de la guerre avec eux. Hein. J'ai bien fait d'envoyer le tank ici. Hein. Est-ce qu'on peut refaire encore un tank? Non, on a zéro là, on a zéro. Là, il faut plus rien faire. Il faut plus gesticuler là, il faut plus bouger là, il faut faire le mort maintenant. D'ailleurs, ma division d'infanterie, j'envoie là-haut. Alors que Jupiter, c'est les Malorian States. Ouais, on n'est pas super potes non plus. Hein. Mais bon, si jamais on se faisait attaquer là, le temps qu'ils arrivent, il faudra pas aller trop au nord avec eux. Hein. Tiens, tu vois, d'ailleurs, là, on a consolidé une frontière aussi. Hein. Elle est rouge maintenant.
vu qu'on a fait la paix avec eux. Bon. Bah écoute, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Ouais, c'est les points d'industrie qui sont craignos. Tiens, on avait vu qu'on avait trouvé de la radioactivité au fait. C'était quoi cette histoire? 6-19. 6-19. Cinq. 6-22. Ah ouais, là. Ah ouais. Ouais, il est là. Alors qu'est-ce qu'on peut construire ici? Radioactive Mining Facility. Bon, on va pas faire ça maintenant, c'est pas le... Ah! Ça coûte rien, ça coûte que de l'énergie et des workers. Ouais, mais on a une pénurie de workers, donc on fait rien. Non, non, surtout pas commencer à gigoter, là. Bon, allez, j'envoie la fin de tour. C'est parti. Ok, les gars, ben merci d'avoir suivi ce tour et à la prochaine. Salut!